n'y a pas de révolution, il y a une évolution tranquille, mesurée, maîtrisée. Il s'agit de redécouvrir le goût essentiel d'un pain magnifique et unique, d'un boulanger unique, mais de le découvrir aussi avec un petit bout de l'art de nos paysans du centre de la France. Et la même chose pour l'écrevisse, la même chose pour le veau, les carottes, les légumes. Il n'y a rien de bien nouveau, si ce n'est que c'est la synthèse de 25 ans de travail. Et aller plus vers l'essentiel, aller presque dans la brutalité d'une cuisine avec des goûts forts, identifiés, clairs, avec une surprise qui est finalement, on a enlevé tous les accessoires pour ne se consacrer que sur l'essentiel du goût. Il faut que ça soit juste. Alors juste, ça veut dire que l'environnement dans lequel on va consommer ces nourritures a été changé. La justesse de la lumière, la brillance des paravents de haute couture qu'on a mis en scène. Ressortir des couverts en vermeil, voilà. Rééditer des pièces rares d'artisans français. Donc c'est une espèce de mélange comme ça, d'harmonie, ou d'opposition entre ce luxe absolu et cette rusticité, ce côté essentiel, ce côté brut. Courant nouveau qui me tient à cœur, que je tiens à développer, et j'ai envie de faire partager cette sensibilité de goût, cette puissance de goût essentielle, presque concentrée, à mes clients d'aujourd'hui ici à Paris, dans un restaurant de haute gastronomie française.